levée et je vous ai montré, j'ai planifié en fait ce que j'ai fait là ce matin. Donc j'ai déjeuné, j'ai pris mon café et tout, et en fait ce que j'ai fait c'est que j'ai planifié toute ma semaine, parce que je me rends compte qu'en fait j'ai tellement de trucs à faire, que ce soit au niveau travail pour les réseaux sociaux, que ce soit ma vie personnelle, que ce soit les papiers à remplir, que ce soit tout ce que je fais, parce que je fais énormément de choses en ce moment, surtout une chose en particulier qui me prend énormément de temps et d'organisation. Donc en fait j'ai mon weekly planner où j'écris en fait tout ce que je fais et tout ce que je dois faire dans la semaine, chaque jour. Je prévois aussi mes tenues pour shooter. Là dedans je vais prévoir aussi les tenues que je vais porter le week-end prochain dans la Drôme, donc il faut que je fasse mon mood board, savoir ce que j'amène, ce que j'amène pas, enfin bref. Donc vraiment j'écris tout dedans. Donc je vous conseille, si vous êtes un peu comme moi, genre vous aimez quand même être organisé, enfin à ce stade, moi, c'est même pas que j'aime être organisée, c'est que j'ai pas le choix. Sinon, j'oublie des trucs et c'est vraiment pas possible. Celui-ci, je crois que je l'ai acheté en Angleterre, donc je pourrais pas vous mettre le lien ou quoi que ce soit. Mais ça fait partie des choses que je vais tenir cet été, vraiment. C'est-à-dire tous les matins, me réveiller, écrire ce que j'ai à faire. Enfin, peut-être pas tous les matins, si j'ai pas le temps, je le fais pas. Du coup, dedans, moi, j'ai mes goals. Donc ça, c'est pas mal. J'ai mes goals, j'ai ma to-do list. Et en fait, là, j'écris tout ce que je dois faire chaque jour. Je vous fais un petit haul de ma sélection Naked. Alors, j'ai pris cette chemise en lin pour commencer. Elle est trop jolie. Je l'ai prise en blanche parce que je préfère les chemises en lin blanche, je trouve ça plus joli, enfin j'aime pas forcément les autres couleurs, soit crème un petit peu, soit blanche comme ça, en taille 38, et du coup avec ça j'ai pris un petit pantalon en lin, très sympa, j'aime trop, vous avez des petites rayures dessus comme ça, bleu, ça fait un outfit en entier, j'adore, et c'est très summer. Alors ensuite j'ai pris ce petit t-shirt blanc, très basique, donc là je l'ai accroché un peu derrière, il est plus long. Pourquoi j'ai pris un t-shirt blanc? Parce qu'en fait je me suis rendu compte que j'en avais pas, enfin, j'en ai peut-être un, sauf qu'un t-shirt blanc comme ça, vous pouvez le porter large, vous pouvez le porter accroché, enfin il vous faut toujours en fait un t-shirt blanc je trouve dans votre garde-robe. Donc du coup voilà, j'ai repris un basique parce que j'en avais plus, et j'ai pris ce short là, donc c'est un bermuda. Je vous avais déjà dit que moi je portais pas trop de shorts courts, pareil, très simple, très neutre. Ensuite je suis un peu sortie de ma zone de confort, enfin j'abuse, c'est du noir et du blanc, mais j'ai pris ce sweat comme ça, donc c'est pas trop un sweat, c'est un petit pull, vous savez, que vous mettez le soir en été quand il commence un peu à faire genre frais et tout, et j'adore. Je pense que j'aurais pu prendre une taille L parce que là c'est une taille M, c'est assez oversize, mais j'aurais pu prendre clairement plus. Il y a une version bleu marine, j'ai pas voulu prendre le risque parce que je pense que j'aurais bien aimé, mais j'étais pas sûre de pouvoir bien l'accorder, donc voilà, j'ai pris une version noire qui est plus mon style. Du coup je pense que cette pièce c'est une de mes pièces favorites. Donc j'ai remis le pantalon en lin pour vous montrer, mais c'est ce haut en crochet noir qui est incroyable. Il est transparent, donc il faut mettre un petit t-shirt ou un petit soutien-gorge en dessous, mais il est trop beau. Et j'ai pris il me semble une taille M parce que je voulais que ça fasse un peu cet effet quand même large. Le crochet c'est grave tendance. Je pense que ça je le mettrai en journée avec soit un petit t-shirt, soit une petite brassière ou un soutien-gorge, mais ça peut être très joli. Ensuite j'ai pris une petite robe noire comme ça, donc je sais pas si vous l'avez vu parce que moi je l'avais beaucoup vu sur les réseaux, et en fait elle est serrée donc tout là, et en bas elle est un peu plus large, et elle est trop jolie aussi, mais j'ai préféré noire parce que je me suis dit que je pouvais la mettre un peu plus le soir et que ça me ferait un peu une tenue de soirée. En fait la matière elle est trop bien, elle est bien épaisse, et aussi quand je prends des habits blancs j'ai peur qu'ils soient un peu transparents, donc c'est pour ça que des fois je me dis je préfère noir, surtout les robes vu qu'elles collent à vos formes et tout, si elles sont transparentes après vous êtes un peu voilà quoi. Donc du coup voilà. Et dernière petite robe, c'est cette robe à rayures qui est trop jolie. J'aime trop. Du coup, il y a une petite ceinture pour marquer la taille comme ça. Mais franchement, elle est trop jolie. Par contre, je vous conseille de prendre une taille au-dessus parce que j'ai pris du 38 et du coup, elle taille un peu petit. J'ai l'impression, parce que ça, c'est du 38 et d'habitude, je mets du 36. Donc aujourd'hui, j'ai eu un nouveau sac. Je suis trop contente. Du coup, on va l'ouvrir ensemble. Donc ça, c'est la petite carte de bienvenue. Alors aujourd'hui, vraiment, le sac est un peu spécial. Je sais pas, c'est mon premier sac comme ça. J'en ai pas eu d'autres avant. C'est vraiment... Tac. Hop. Voilà, c'est un picotin en touch béton. Donc je l'attendais depuis super longtemps. Je suis trop contente. Donc voilà, c'est mon premier sac clair. Et c'est mon premier picotin également. Et c'est mon premier sac avec
un curry exotique. Donc je suis vraiment super contente. Enfin, ça fait à peu près, on va dire, 2 heures. J'ai pris mon café tranquillement. Je me suis réveillée tranquillement ce matin. Et du coup, là, je voulais vous montrer parce que je pense que je vais enchaîner avec un petit pilates. Et j'ai reçu, du coup, cette petite combinaison de chez Naked Apparel que j'adore. Elle est trop jolie. Je porte pas souvent de couleurs dans mes habits de sport. Et donc, du coup, je me suis dit, pourquoi pas prendre cette combi bah un peu bleu, elle est bleue un peu pastel. Là je vais enchaîner avec un petit pilates pour bien finir ma petite morning routine. Donc voilà, et je voulais vous montrer, je suis en train de faire ma valise en fait pour ce week-end parce que du coup on part dans la Drôme. Je vous l'avais un peu dit dans mes autres vlogs mais voilà, on part 2 petits jours dans la Drôme donc c'est assez rapide mais ça va être très sympa, ça va nous permettre de couper un peu de la semaine etc, donc ça va être cool. Je pars avec ma mère et ma soeur un petit week-end et donc du coup je suis en train de faire ma petite valise. J'ai déjà préparé cette semaine comme je vous disais avant mes petits week-ends, mes voyages etc, je planifie mes tenues ou même ça dépend avant quoi, mais souvent j'aime bien planifier mes tenues, donc là je les ai planifiées. Donc je sais exactement ce que j'amène, mais il faut juste que je fasse ma valise. Et j'ai acheté un petit Kodak, donc je suis pas sûre de l'utiliser à fond, mais j'aime bien les petits Kodak quand je pars en vacances. La dernière fois que j'ai acheté un Kodak, je crois c'était quand je suis partie à Milan et à Côme avec mon copain. Et du coup c'est un voyage que j'ai pas vlogué, que j'avais décidé de pas vlogger parce que c'était au tout début de ma chaîne. Je voulais vraiment être avec mon copain, tranquille et tout, même si c'est absolument pas une corvée de vlogger. Mais voilà, je me sentais pas forcément de vlogger. Surtout qu'on est allé au lac de Côme, etc. J'avais trop peur de prendre ma caméra. Enfin bref, du coup, ça fait grave longtemps que j'ai pas utilisé un Kodak. Donc voilà. Et je suis aussi en train de commencer à pack ma skincare. Donc je vais prendre mes produits Caudalie. Voilà, mon petit sérum des yeux. Je le mets tous les matins. Il est trop bien. Je sais pas comment expliquer, mais ça... En fait, ça tire mes yeux, j'ai l'impression. Genre, ça raffermit vraiment mes poches des yeux, c'est incroyable. Ça, du coup, je l'ai commencé pour les tâches avec ça. Donc, pour le moment, j'ai pas trop vu parce que ça fait que quelques jours que j'ai commencé. Mais du coup, voilà. J'ai pris aussi ce fixateur de chez MAC que je vous avais montré. Je vais peut-être prendre ce pull aussi parce qu'il va peut-être faire un peu froid le soir. Enfin, voilà. Du coup, je suis en train de faire un peu tout ça. Je vais arrêter ce vlog ici parce que j'ai encore toute ma valise à faire. Bon, c'est rapide parce qu'on part 2 jours. Mais il faut quand même que je fasse un peu ma valise et tout ça. Donc en tout cas on se retrouve pour le vlog de la Drôme. J'ai trop hâte de vous montrer où on va parce que vraiment on a pris un endroit pour dormir et du coup passer le week-end. Très beau. J'adore. On va en Drôme provençale du coup. Donc on se retrouve pour ce petit vlog là. J'ai trop hâte de tout vous vloguer. Et puis voilà, gros bisous.